Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons supprimer notre compte Facebook facilement. Alors, nous voulons donc supprimer notre compte Facebook parce que nous n'utilisons plus assez l'application ou pour une certaine raison. Pour pouvoir supprimer notre compte, cela est simple. Nous allons donc nous rendre sur l'application Facebook comme ceci. Ensuite, nous allons cliquer sur les trois traits en haut à droite. Nous allons donc arriver ici. Ici, nous allons cliquer sur paramètres et confidentialité tout en bas. Nous allons ensuite cliquer sur paramètres. Donc nous allons donc cliquer sur paramètres, nous allons donc arriver ici. Ici nous allons donc voir l'option espace compte tout en haut. Nous allons donc cliquer sur notre espace compte. Arrivé dans l'espace compte, nous allons ensuite cliquer sur informations personnelles. Nous allons donc arriver ici et cliquer sur propriété et contrôle du compte. Nous allons ensuite cliquer sur l'option désactivation ou suppression. Nous allons choisir notre compte Facebook. Nous allons donc arriver ici. Ici, nous voulons supprimer le compte Facebook. Nous allons sélectionner supprimer le compte. Nous allons ensuite cliquer sur continuer. Nous allons donc arriver ici. Ici, nous allons donc devoir choisir une raison. Là, je vais donc choisir une raison au hasard. Et ensuite, nous allons cliquer sur continuer. Nous allons donc arriver ici. Ici, nous allons donc cliquer sur voilà, j'ai choisi une autre raison. Donc là, nous allons cliquer sur continuer. Nous allons donc arriver ici. Ici, on nous propose de désactiver notre compte. On ne veut pas désactiver. Donc nous avons aussi la possibilité d'accéder à l'historique d'activité de notre compte, de télécharger les informations de notre compte et de transférer les informations. Là, nous allons donc cliquer sur continuer. Nous allons donc arriver ici. Ici, tout ce que nous aurons à faire, c'est de tout simplement entrer notre mot de passe Facebook et ensuite de cliquer sur continuer pour pouvoir maintenant supprimer définitivement notre compte Facebook. Après avoir supprimé notre compte Facebook, nous aurons donc un délai avant la suppression définitive de notre compte où nous allons donc pouvoir nous récupérer notre compte si, par exemple, nous changeons peut-être d'avis par rapport à la suppression de notre compte. Donc voilà, c'est aussi simple que ça et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile.